Moi j'avais une petite question parce qu'en écoutant votre projet, j'ai vu que ça parlait fort de meuf, mais ça parlait pas bien de meuf. Alors comment on s'explique tout ça, parce que le jour, la date, l'octogone? Non, pas du tout. En vrai, même moi des fois je suis choqué, je dis des trucs de ouf et je vois des meufs à snap et tout. Fais ton argent, t'entends, tu sens la jalousie de tous ces gens. Nos premiers invités, ils nous viennent tout droit de Gonesse, du Val d'Oise, du 95, c'est bien évidemment... Comment ça va les gars? Deuxième projet disponible, la mixtape 500K. On vous retrouve un an après avoir sorti Sous-Côté. C'était fin 2018, Cru la rue et la Purple. Le 13 avril 2015, Booba sortait DUC et il sortait notamment un son qui s'appelait LVMH et qui dit ça. J'ai cassé mon magot de pirate entre Key West et Key Largo. Tu marches par les couilles de mon télémarche. Si je me trompe pas, c'est grâce à ce son que vous avez choisi de vous appeler comme ça. Ouais. Fort, dis-leur tout. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai écouté le son. Et t'as moi, ça m'a matrixé. Je suis parti chercher le délire. Ouais. J'ai vu la story. J'ai vu que c'était des rapis. J'ai vu qu'ils volaient du roro. La story, elle était gang. J'ai dit, il faut qu'on se différencie un peu des autres. T'as vu? Ouais, tu sais. Dire après, je lui ai proposé. Parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de gangs. Il y a beaucoup de. Beaucoup de squads. Vas-y, après tu ressembles à tout le monde un peu, tu vois. Si t'arrives avec un bon blast déjà, ben t'entends quel argot, tu veux cliquer pour voir c'est quoi. Rien que dans le blast, ça se différencie, t'as capté. C'est vrai que c'est pas vieux, c'est bien. Bah, de toute façon, c'est ce qui marche maintenant. Il faut se différencier des autres. Si on fait comme tout le monde, c'est un peu compliqué. 500K, sorti le vendredi 11 octobre. 15 titres, 48 minutes. On retrouve, comme vous disiez, le quartier, donc Gonesse, Key West, Key Even, KBR. Il y a également Alpha One sur le projet. Un gros feat également. Quels ont été les premiers retours pour vous de cette mixtape? Ouais, les gens ils ont kiffé. Ouais, ils ont plutôt adhéré au délire. Hein. Ça va. Ça fait forcément plaisir. Ouais, ça fait plaisir de voir que les gens ils kiffent ta musique, tout ça. Ouais, ça fait plaisir. Mais sinon, à part ça. Est-ce qu'il y avait des ambitions par rapport à. C'est quand même maintenant votre deuxième projet, deuxième mixtape? Pas tellement. Pour moi, c'était juste, je voulais qu'on se présente bien au grand public, t'as vu? Parce que là, maintenant, c'est vraiment une carte de visite. C'est encore une nouvelle carte de visite? C'est une nouvelle carte de visite, surtout pour le monde pro, maintenant qu'on est encadré. Parce qu'on était en Indé, en gros. Là, vous avez signé chez Def Jam. Ouais. Exact. Maintenant qu'on est à Def Jam, ben, on se présente vraiment dans le monde professionnel, encadré, etc. Et justement, vous êtes signé chez Def Jam. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir une aussi grosse structure derrière vous, en fait? Il y a plus de visibilité. Genre, on a plus d'ouverture, de stratégie. Déjà, ils sont plus développés que nous. Ils ont plus d'expérience. Ça veut dire qu'ils nous apportent ça. Et vraiment, ils nous aident à nous développer en vrai de vrai. Anis. Et c'est ce qui vous manquait, la stratégie? Parce que j'avais vu dans un interview précédent que c'était à peu près ce qui vous manquait. Et là. De la visibilité, nous. C'est ça qu'on recherchait en signant chez Def Jam. Parce que musicalement, on sait encore comment évoluer, on sait comment faire évoluer notre musique, on n'a pas fini de montrer des choses encore. C'est-à-dire en gros, on va arriver sur d'autres styles peut-être qu'on n'a pas encore sorti. Les gens ils nous connaissent sur la trappe. Dans le projet, ils ont vu quelques... La trappe joyeuse, comme vous dites. Ouais, exact, la trappe joyeuse ambiançante. Dans le projet, ils ont vu quelques sons doux, ça les a déjà choqués. On pense à Cookies, L'Oseille, c'était une même des sons comme Benef. Benef aussi, ouais. Benef aussi. Pour Benef, vous vous livrez un peu plus quand même. Il y a un côté où vous parlez surtout de la pauvreté, c'est pénible. Il y a vraiment, là on vous découvre vraiment sur peut-être un autre geste que de la trappe pure, que le turn-up quoi. Exact. C'est ça qu'on a essayé de faire, genre changer, essayer de raconter plus ce qui se passe vraiment en dehors d'ambiancer tout ça. Et voilà. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous améliorer encore plus, de trouver une constante évolution et également aussi de se diversifier auprès du public? Ouais, c'est important. Ça nous fait évoluer, ça. Ouais, c'est important de pas refaire tout le temps les mêmes choses. Après, les gens, ils peuvent se lasser. Exact. Donc, ouais, on essaye de rapporter du nouveau à chaque fois. Parce que sur Sous-Côté, il n'y avait pas vraiment cette diversification. Et là, vous avez essayé aussi de ramener des nouvelles choses dans cette deuxième mixtape. Bah, ouais, il fallait. Pour pas refaire comme la première mixtape, les gens, ils vont se dire, c'est pareil. Et t'as vu, ça sera pareil pour les prochains projets. À chaque fois, on va ramener de nouvelles choses. Comme Luc Edril sur Brésil. C'est la première fois qu'on a fait ça. Ouais. Et les gens ils ont bien adhéré. C'est un gros son de la
la mixtape, hein. Ouais, c'est un son qui est pas mal ressorti. Influence de l'Angleterre, ouais, mais la drill en Angleterre, ça, ils sont loin. Et franchement, le flow, tout. Pour dire ça, c'était son idée. Moi, je pensais pas que les gens ils étaient prêts pour Luke et Jules ici. Ah ouais. Ouais. Je savais pas que ça écoutait autant. Bah la grime ou la drill, de toute façon, en vrai, là, ça prend du. C'est omniprésent en Angleterre déjà. Déjà en Angleterre, on voit même des Drake qui sont dans ces bails-là. Enfin, ils ont signé des Skepta sur des labels, des trucs. Donc l'Angleterre, ça prend. C'est vraiment une source d'inspiration aujourd'hui dans le rap en général. Justement, par rapport à ça, moi, c'est vraiment le son qui m'a plus marqué. Et je me dis, enfin, des artistes français qui font de la grime, est-ce que vous les poussez vers ça? Est-ce que c'est pas une porte d'une ouverture cool pour vous, intéressante pour vous? On pourrait refaire des sons comme ça, mais que ça, genre, je pense pas que, parce que là, ça a marqué dans le projet, parce que justement, c'est nouveau, on l'a bien fait, je pense. Et vous faites très bien, c'est pour ça aussi. On l'a bien fait aussi, donc ça a bien marqué. Après, vraiment faire que ça, c'est s'enfermer un peu. Parce que faut continuer à faire Pas mal de choses. Non, mais c'est riche. Non, tu peux faire plein d'autres trucs avec le Dillard Grime, tu vois, aux États-Unis, il y a plein de mecs. Mais c'est tout ce qui va être Stormzy, Skepta, Dave. Vraiment cette scène londonienne. Ouais, cette scène londonienne qui en fait. Là pour l'instant, pour vous dire, on est en train de découvrir les gars de là-bas. Ouais. Ah bah allez-y, vous allez vous là, faire plaisir. Là on est en train de découvrir les gars de là-bas. Tu vois, on connaît deux trois gars chaque jour. Il y a des blazes à écouter. Moi je vous conseille d'écouter la mixtape qui a été faite pour Top Boy. C'est la série qui se passe à Londres et qui est sur Netflix. Ouais, produite par Drake. Et en fait sur cette mixtape là, il y a tous les chanteurs de grime. Vous allez voir que ça se diversifie de ouf. Il y a du chanté, il y a de la mélo, il y a plein de trucs. C'est pas juste uniquement tac 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 tac. Et franchement, allez écouter ce truc là et ça va. Ouais, d'écouter Top Boy. Ouais, c'est sur Netflix. Je vous conseille d'écouter Stormzy, Skepta, les vrais Wiley. Sur ce que tu dis, Alexis, tu parles de mélo, etc. Mais ce qui est bien aussi dans votre groupe, c'est que toi, Cru La Rue, t'es plus dans le kickage et toi, La Purple, plus dans la mélodie. Exact. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui fait que ça monte encore plus, qu'il y a vraiment ce beau mariage entre vous deux? On est complémentaires. Ouais, de ouf. Des fous. Ouais, je pense que ça joue. Parce que là, tu disais que Cru La Rue, toi aussi, te donne entre guillemets des choses pour les musiques, te donne ses envies, tu lui donnes ses envies. Comment ça se passe vous au studio? Comment vous produisez ensemble? Déjà, ça peut être compliqué aussi à deux. Non, c'est si simple. Ouais, ça se voit comment ils l'ont dit en même temps. Non, ça se voit, ils sont c'est coordonnés. C'est si simple. Ah ouais, faut juste trouver la prod. On après, trouve une prod, ouais. Ça y est, c'est parti. Il y a pas une envie d'un autre qui peut gêner ou non, pas non, du tout. Bah t'as vu, souvent il peut aimer une prod. Moi, je vais chercher à savoir pourquoi il aime cette prod là, tu vois, il y a forcément quelque chose qui fait qu'il aime vraiment, tu vois. Si au début elle me tape pas à l'oreille, et après je vais capter le délire et puis ça y est, il pose et puis c'est parti. Comme à l'inverse, ça comme à l'inverse. Ouais. Et souvent, genre nous on pose tous les vendredis, on a 6 heures. Okay. Moi je suis plus dans les sons calmes et lui il est dans les sons ambiancés. Ça veut dire on essaye de faire deux sons ambiancés, un son calme ou l'inverse. Comme ça tout le monde, on va dire, à son. Tout le monde est content. Ouais. Et après à la fin on choisit les bons sons, tout ça. Et pour teaser la mixtape 500K, vous avez sorti deux gros bangers avec Marabout, avec NSM, 1 million déjà pour Marabout, 550 000. Est-ce qu'on peut dire que ça annonce c'est clairement la couleur de ce projet qu'allait être lourd, mais avec de la nouveauté aussi, comme on peut voir avec Benef, avec l'Oseille, Cookies. Ouais. Marabout, il a tout écrasé sur YouTube. Il a tout écrasé sur YouTube. Et NSM, il est encore en train de tout écraser. Ça veut dire, ça annonce, ça grave. Vous étiez content des retours Fort. En plus, je pense qu'on a trouvé une nouvelle formule. Genre, à chaque clip, on va essayer de ramener une bonne gestu. Tu vois, qui rentre bien dans la tête. Tout le monde peut reproduire. Ouais, surtout au niveau du refrain. Ouais, fort, voilà. Ouais, exact. Un refrain plus simple. Ouais, tu vois, là, je pense qu'on a trouvé la recette pour les bangers, tu vois. Là, on est vraiment en train de bien bosser ça. Plus avec Midsizer aussi. Qui est avec vous, qui est un grand. Ouais, grand beatmaker, parce que par exemple, c'est lui qui a fait la prod de Fuck le 17. Ouais, c'est très bon. Qui a un gros turn up aussi. Énervé. Donc, ouais, en plus, il est hyper, hyper polyvalent. Donc, en termes de DA musical, il peut bien vous aussi. On est en train vous de faire des trucs de fou, là, en studio. Ouais. Ah, donc, il y a du lourd qui arrive. Il est dans un autre univers. C'est trop mon gars. Ouais. Quelle est la suite alors? Parce que là, il y a eu deux mixtapes. Est-ce qu'il y a un album qui se prépare? Là, vous êtes bien entouré, vous êtes bien encadré. Ça serait la suite logique en vrai. Bah, pour l'instant, on vient de sortir le truc. C'est-à-dire là, on est plus concentré sur la 500K. En vrai, on pourrait pas te dire bien encore ces projets avec des clips, tout ça. Mais là, d'abord, faut qu'on pousse bien le projet. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des morceaux qui vont sortir justement en clip. Parce qu'il y a des sons qui reviennent bien quand même, comme Alice, comme LVG. On est en train de voir. Après, en vrai, t'as vu,
on aimerait bien même tout clipper, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de morceaux. Il y a beaucoup de gros morceaux. On a 15 titres sur le projet. Ça veut dire, ouais, faut faire des choix. Bon, je vous propose qu'on se passe NSM qui était sorti avant la sortie de la mixtape. Yeah. C'est tout de suite Kélargo NSM sur VL. Toujours dans un, toujours toujours malgré qu'il y a la C'était NSM de Kélargo tiré de la mixtape 500K. C'est disponible partout. Partout. Là, partout, c'est pas comme sous côté, vraiment partout, ouais, partout. Partout. Allez, tous pécho ça, hein, comme vous direz, les gars. C'est important! C'est important, c'est important. 500K d'ailleurs, le titre éponyme arrive à l'ouverture. C'est vraiment l'intro de ce projet. On retrouve K-West, K-Even, KBR, Neko à la prod. Comment s'est fait ce morceau? Bah, on a cherché une prod au quartier. On l'a trouvé la prod, on est parti chez notre manager. On n'écrivait pas à écrire parce qu'il y avait FIFA. Ça veut dire que FIFA, c'était à la sortie de. Non, FIFA l'ancien, ah, c'était FIFA même pas encore sorti, ouais. Ouais, bah j'imagine parce que. C'est-à-dire, personne n'avait écrit, on est allé au studio. Et je sais pas, tout d'un coup, ouais, tout le monde avait un texte. Je connais, on était dans le mood. Ouais, ça allait. Tout le monde est passé là. C'était en mode. Ouais, c'était tout a glissé. Ouais, tout a glissé, le refrain, tout. C'était une évidence aussi de ramener vos proches dans cette mixtape. Pour notre premier projet, il fallait quand même. C'est la MIF, ils sont là depuis le début, sous côté, même avant. Pour un premier projet en physique, il fallait qu'il soit là. C'est obligé. Bah, toi, qu'on n'a même pas ramené encore tous les proches. Il y en a encore d'autres. Vous êtes nombreux dans le 95. On est beaucoup, on est dans le quartier même seulement. On est beaucoup de rappeurs. À Gonesse, ouais. Lois Wayne, BDK, j'en passe. Il y en a plein. On est vraiment beaucoup. Et c'est pour le prochain projet, c'est des personnes qu'on peut retrouver pour. Ouais, ça se trouve, tu vois. On est vraiment en train de voir. Au même défi, comment directement, même des singles, tu vois. C'est-à-dire des feats, est-ce qu'il y a déjà des noms prévus, des feats déjà peut-être enregistrés? Ouais, il y en a. Est-ce que vous avez un nom pour nous ou pas? Zola, qu'on vous a vu plusieurs fois avec lui? Non. Ça se voit, il y en a un qui était enregistré là? Non, même pas. Est-ce que vous avez un autre un nom? Est-ce que vous avez un nom? Je t'exclus pour nous. Vas-y, dis-lui l'exclus. Allez. La Purple, est-ce que t'as un nom pour nous? Il y a un feat avec Roshi qui arrive. Roshi, Captain Roshi. Son dernier morceau est chaud. Sur un projet ou comme ça, il va sortir en. Non, ça va être un single. D'accord, donc très prochainement. Ouais, on s'est déjà clippé et tout. Ah, d'accord, donc tout est bon là, tout est prêt. Tout est carré. Très bien, bah voilà, petit exclu pour nous. Feat avec Roshi, Meko. Yes, moi j'avais une petite question parce qu'en écoutant votre projet, j'ai vu que ça parlait fort de meufs, mais ça parlait pas bien de meufs. Ouais, alors comment on s'explique tout ça parce que le jour, la date, l'heure, octogone. Non, pas du tout. Mais parce que ouais, enfin, il y a un moment juste vous abordez, enfin, c'est même pas abordé, c'est juste, je sais plus sur quel morceau vous dites ouais, maman m'a dit quelque chose. Et en dehors de ça, quand ça parle de meuf, c'est un peu rude quand même. Ouais, c'est rude, mais vas-y. En vrai, elles aiment ça. Non, c'est la vérité. Mais en vrai, même moi, des fois, je suis choqué. Je dis des trucs de ouf et je vois y a des meufs, elles snap et tout. Ouais, non, mais ça en dehors de. Parce que. Après, ouais, je sais pas. Non, mais après, en vrai de vrai. Non, mais je te jure, en vrai de vrai. Après, ça reste de la zik, t'as vu. Ouais, ça bien sûr. Mais est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, parce qu'il y a un vrai second degré par rapport à ça, tu vois. C'est pas forcément toujours c'est une réalité qui a été extrapolée un petit peu. Moi, c'est pas. Des fois, c'est la réalité, hein, quand même. Hein. Ouais, non, mais il y a des choses vraies. Mais c'est pas toutes les meufs, tu vois. Ouais, voilà. C'est une certaine catégorie de femmes. Ouais. Moi, ça me fait penser à une phrase de toi, je crois, Digba, sur Allo ici, Zola Ski 3. Quand tu dis les mecs, c'est des salauds parce que les meufs, c'est des salopes. Ouais, mais ça, c'est réel. Et bah, franchement, ça s'est revenu tout de suite. Tu vois, après, on va dire, ouais, non, mais c'est pour les gars. En gros, c'est pour défendre les gars, tout ça. Non. Mais on est tous des humains. Ce qu'un mec il fait, une meuf elle peut le faire, c'est bon. Ouais, parce que c'est là où on s'entend sur le truc, parce que les gars font pareil. Parce que j'ai bien dit, les mecs c'est des salauds. Tu vois, je l'ai bien dit ça. Ah, c'est sur Fitex de là. Les meufs c'était des salopes, tu vois. Faut le dire aussi. Anis. Ouais, d'ailleurs, bah là en parlant de ça, genre vous parlez beaucoup de femmes, de substances illicites, de d'argent. De la trappe quoi. Ouais, de la trappe. Ouais. Et du coup là, vous avez tenté des nouvelles choses, etc.
entourage et donc dans le projet, comme disait Ange avec Cookie, etc. Ouais. Vous avez vous avez d'autres thèmes qui vont être abordés. Bon, nous, en fait, on choisit le thème au niveau de la prod. Hein. Ouais, c'est la prod qui donne le thème. Ça veut dire si on aime une prod et je sais pas comment t'expliquer. C'est comme par exemple quand tu disais pour la phrase avec ma mère n'a plus la sienne, j'aimerais pas perdre la mienne. Ça c'est Cookie, c'est parce que la prod elle était profonde, donc j'étais obligé de dire un truc profond, tu vois. Ça c'est une réalité que j'ai sortie, ça me concerne moi personnellement, et puis voilà, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment en fonction de la prod. Après au niveau des thèmes, il y a des thèmes qui reviennent, mais vous avez dit aussi également que vous avez vécu d'autres choses, que à ce moment-là c'était peut-être votre quotidien, mais que maintenant vous avez vécu d'autres choses. Est-ce que aussi vous pouvez parler d'autres choses suite à ce que vous avez vécu durant cette année maintenant, même ça fait plusieurs années que vous rappez? Ouais, je crois que maintenant on pourra aborder quelques petits thèmes, tu vois. Façon, ouais. Plus introspectif, de parler vraiment de vous. Ouais, dans un album. Je pense qu'on pourra, ouais, pas dans des singles, comme ça sur YouTube. Bon, je pense que sur YouTube, faut balancer que des bangers, t'as capté. Mais dans un projet, ouais, je pense qu'on pourra refaire des sons par le terme de peut-être de votre enfance, de vos parents ou Mekolo. Ouais, parce que plus sur, justement, on en parlait tout à l'heure, mais de BNF, par exemple, il y a un côté quand même où vous vous livrez plus. Et moi, il y a une phase quand même qui m'a interpellée, même deux, parce que, alors, il y a la première, c'est la pauvreté, c'est pénible. Donc tu vas braquer le buraliste d'en face, tu prends une peine et c'est dommage. Donc ça c'est un peu, ça fait aussi écho à une certaine, enfin à certaines choses que certaines personnes peuvent vivre dans certains quartiers de France. Ça c'est clair. Et en plus c'est bien, enfin c'est bien dit, c'est carré quoi. Donc et surtout il y en a une, la rue c'est sale, c'est moche, c'est laid, mais tu t'y plais. La rue c'est sale, c'est moche, tu plais. Non, mais ouais, mais c'est... Parce que là vous vous livrez quand même plus, vous êtes quand même dans une sorte de réalisme quand vous racontez ces choses là parce qu'en plus il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de, enfin c'est brut. Franchement c'est ça, c'est la prod, hein, la prod c'est vraiment la prod, tu vois, elle parle et après tu racontes des trucs et t'as vu, là on est dans la réalité. Ouais, tu peux pas dire de la merde sur ce son. Même pour dire sur ce son, à la base il a fait le refrain et moi j'ai fait mon premier couplet, mais je disais que de la merde. Et quand j'ai écouté son couplet, je me suis dit, ah ouais, là c'est un vrai son. Je vais me faire boire. Donc t'as capté. Même, ouais, je vais me faire boire, mais c'était même pas ça. C'était en mode, je suis pas dans le thème. C'est pas ça le thème. Donc t'es reparti sur un truc beaucoup plus. Plus la réalité. Ouais. Ce qui se passe. Et c'est encore là où vous pouvez vous aider aussi au niveau de la contrôle. C'est ça. Parce que t'as vu, si moi aussi je me trompe de thème, après quand je vois son couplet et tout, ben je le retape. Ouais, comme ça, on est vraiment, t'as vu, on suit vraiment, c'est la même ligne. Il y a pas de truc de Alexis. Et justement, vous disiez que vous êtes chez Def Jam, vous avez quelqu'un qui vous accompagne sur la direction artistique, sur la réalisation des morceaux? Sur la réalisation des morceaux, ouais. Non, on n'est que tous les deux au studio. Et vous n'avez pas de DA attitré à Def Jam? Si, on en a. C'est quoi, directeur artistique? On est avec Marvin. Ouais. Et c'est plus pour les clips. Ouais, exact. Ouais, lui, d'accord. C'est plus pro dans les clips. Vraiment les idées des clips, tout ça, tu vois. Mais là, sur la mixtape, ils vous ont pas cadré un peu sur les thèmes, sur les morceaux, singles, non. Non, on a tout posé. Ouais, voilà, t'as vu. C'est nous, on a choisi les sons. Parce que c'est plus une mixtape. Bon, ouais, voilà. Sur un album, je pense qu'ils vont plus vous serrer les vis. Après, attention, tu vois, ils donnent quand même leur avis. Ouais, bien sûr. Tu vois, pour dire, ils donnent vraiment leur avis, si ça plaît, si pensent que ça peut bien tourner, tout ça. Miko. Et justement, tout à l'heure, on parlait, pour revenir un peu à la réalité, et là, plus tard, dans un album, ce que vous feriez, parce que là, il s'est passé, il n'y a pas longtemps, quelque chose de grave dans le 9-5, et vous vous sentiriez d'aborder ce genre de thème, vraiment, parce que là, il y a clairement une bavure, enfin, moi, je vais vous dire, je m'en fous, vous pouvez porter plainte pour diffamation, les gens, mais il s'est passé un truc sombre, et vous vous sentiriez d'aborder ce genre vraiment de thème et tout, de décortiquer ça à fond? Revendiquer, genre, pour un seul son, genre... Ouais, sur un morceau, pas forcément revendiqué, mais vraiment parce que là il s'est vraiment passé quelque chose. Enfin, il y a eu quand même certains mensonges grave, de la préfecture, des choses, voilà quoi. C'est grave ce qui se passe. Voilà. C'est n'importe quoi. Bah ouais, pour dénoncer, ça serait pourquoi pas, ou non. Ouais. On pourrait le faire. Sur l'affaire de Matraoré, par exemple. Surtout, ça vient de chez nous, tout ça, c'est. On pourrait le faire carrément. Ouais, parce que ça aurait pu être un ami à vous, enfin quelqu'un carrément. C'est la ville à côté. Ouais. C'est la ville à côté. Tout le monde se connaît.
tout le monde se connaît, tous en les fait, quartiers étaient ensemble. Même des gens de notre quartier sont partis à la marche. Ouais. C'est le 9-5. Vous avez aussi avec des t-shirts. On pourrait faire un son pour. Vous avez. Bah ouais, pour un dommage. Ouais. Ouais, il fallait. Vous avez aussi également un gros feat qui est bien sûr Alpha One. Qu'on retrouve sur Jolie Demoiselle 2.0, donc la suite de Jolie Demoiselle qui était présent sur Sous-Côté. Ça donne ça, les amis. Jolie Demoiselle évolue avec le temps. Avec le temps. Jolie Demoiselle baisse son capote, ça se sent. Un gros feat aussi, vous nous parliez en off et vous disiez que Alpha One, vous étiez aussi surpris de comment il a posé sur ce morceau, comment il s'est aussi accordé avec vous, tout simplement. Comment s'est passée la connexion avec Alpha One? En fait, c'est notre ingé son. Il a l'air choqué, regarde. Alpha One. Notre ingé son, Kaïs, il vient de son quartier, tout ça. Et il nous disait que Alpha One, il aimait bien ce qu'on faisait, tout ça, nanani. Ça veut dire, on a parlé avec lui sur Insta, c'est ça? Ouais, sur Insta, après, j'ai parlé avec lui vite fait. Après, au studio, t'as vu. Il était direct show. Ouais, direct show. Enfin, il est grave bon délire, tout ça. Et puis, il suit. Tu vois, il a un rap d'ancien, mais ouais. Il suit les jeunes, tu vois. Il suit vraiment. Et il est venu au studio avec une feuille, un crayon. Moi, c'était la première fois. Vraiment, ouais. C'était la première fois. Un calepin, tout. Un petit calepin. C'est ça. Hein. Et puis, en plus, ça vous permet. Est-ce que ça vous a permis aussi de voir d'autres techniques de travail aussi? Comme tu disais, il arrive avec calepin, stylo, tu vois, comment il pose ses idées, qu'est-ce qui se passe. Il remet. Frère, j'avoue, je pourrais pas poser comme ça. C'est un autre délire. Vraiment. Un autre délire. Ouais, ça pose comment? Je pourrais pas poser comme ça. Ah, iPhone direct. One Note. Shot. Ouais. Mais comment il t'a choqué, Alpha? En fait, c'est quoi? Il vient avec le calepin, il écrit sur une feuille, il la dépose là, une autre feuille, il la dépose là. Mais en fait, tu sais déjà que sur cette feuille-là, il y a des punchs, laisse tomber. Là-bas aussi. Et en fait, tu vois, il prend les meilleurs, il regroupe le tout, boum, il va, one shot, il sort. Ouais. Ça y est. Il fait un one shot. Ça y est, il sort. T'as pas besoin. C'est ça, parle sorti, pas. Ta meuf est presque de une frappe. Je sais, c'est un bâtard. Oh non, ça c'est cette punch là. J'ai dit non, tranquille, je vais m'asseoir. Non, il est fort. On parlait des sons étonnants tout à l'heure. Il y a ce titre qui s'appelle L'Oseille, qui est aussi un gros morceau du projet. Yeah. Je vous propose qu'on se l'écoute tout de suite. Direct. L'Oseille de Kélargo sur VL. Le soir, quand fallait faire des dalles, dis-moi mon gars, t'étais où? Au quartier, c'est les balles qui prévoient la météo. C'était L'Oseille de Kélargo tiré de la mixtape 500K. C'est dispo partout, partout. On parlait des feats. Il y a une personne avec qui vous avez featé plusieurs fois. C'est bien sûr Zola, on vous retrouve sur l'album. Il y avait aussi Allo aussi Zola Ski 3. Rappelez-vous, c'était en 2017. Bah ouais, c'est clair, on sait ce qu'on a à faire. Tu peux te la foutre dans la C, mais sûrement pas dans nos affaires. Ramène de la verre, ramène de la joie. Kélargo, Zola sont posés sur le fond. Elle fume de la verre, elle a les enjeux. Parce qu'elle n'était pas prête pour ce putain de con. Voilà, on se rappelle de suite, hein, ça fait déjà 2 ans. Déjà 2 ans. Est-ce que, peut-être, c'était aussi demandé sur l'album, est-ce que c'était, ça aurait pu avoir un feat Zola, Kélargo sur votre projet à vous? Ouais. Ouais, il aurait pu, hein. Justement, c'est quoi votre relation avec Zola? En vrai, c'est carré de ouf. Mais tu vois, en fait, là, par exemple, pourquoi avant de te répondre, tu vois, il y a eu un petit temps. C'est parce qu'en fait, tu vois, il était là en ce moment, il était grave en festival. Ouais. T'as vu, il était grave occupé, tu vois. Ça veut dire, on s'est dit quoi? On s'est dit, bon, on vient de fitter dans son album à lui, tu vois. Ça veut dire là, si on ramène encore un feat directement dès notre premier projet avec Def Jam, ça va faire. Les gens ils vont se dire, ah ouais, mais tout le temps. Ça va être redondant, ouais. Ouais. Ça va être trop. Genre, c'est logique en mode qu'il se feat là, tout ça, tu vois. Nous, on veut que. T'as vu qu'on feat, qu'on fait un feat avec lui. En plus, à chaque fois, c'est des gros sons, tu vois. C'est-à-dire, on veut que quand on fait un feat avec lui, il tabasse pour de vrai. Même si on sait qu'on aurait featé là, maintenant, ça aurait tabassé. C'est mieux d'attendre un peu, tu vois. On laisse les gens le demander parce que les gens ils le demandent tout le temps, de toute façon. C'est-à-dire, on laisse les gens demander. Quand ils sont sur le point de craquer, boum, on envoie. C'est pour l'album, vous réservez ça peut-être pour l'album ou pour des projets. Ça, ouais. Pour les petites surprises. Si tu leur donnes trop ça, après, ça y est. Ah, tu les habitues trop, bonne chose. C'est basique, après, t'as vu. Puis on le voit, vous aimez, comme tu dis, Anis, créer la surprise, les sons, la diversification. Ouais. C'est ça aussi votre marque de fabrique ou pas? Ouais, faut surprendre. Ouais, faut pas se répéter. Donc, mixtape 500 caissés dispo partout. Quels sont les objectifs? Quelles sont vos ambitions maintenant? Vos ambitions? Là, c'est tout niqué.
Là, faut tout niquer, c'est-à-dire on va balancer banger sur banger. Il faut continuer sur la lancée. Hein. Il y a des clips qui vont arriver sur le projet. Fort, ouais. De la scène. Un ou deux clips de la scène, ouais. Ouais, parce que dans votre style, c'est hyper. Justement, c'est la scène, là, ouais, c'est pour le turn-up. Ouais. C'est, nous, on c'est est pressé, justement. Pour faire transpirer les gens, là. On est pressé de faire des tournées ou des trucs comme ça. 500K, la mixtape, c'est disponible. Fort. C'est partout. Partout. Même en physique. En physique, bien sûr. Aujourd'hui même, il y a une scène, vous êtes au Trust. Ouais. Tout à l'heure. À partir de minuit. Hein. À partir de minuit. On sera là-bas. Vous allez à Rennes, à Toulouse. Donc il y a des grosses scènes qui arrivent. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos réseaux sociaux, s'il vous plaît? K-Largo avec 3 O tout partout sur tous les réseaux. Ouais. C'est tout pareil. Tiff, merci beaucoup. Puis comme vous dites, hein, c'est important. C'est important. Faut remercier.